discuté avec lui, c'est un jeune joueur qui s'attendait peut-être pas à être sélectionné, mais voilà, qui a rejoint l'équipe, qui s'est bien intégré, qui s'est bien adapté de suite à notre système de jeu et qui me donne des solutions offensives assez intéressantes, surtout dans le profil offensif qu'on veut, puisque ça nous permet d'avoir un peu plus de percussion, que ce soit sur les côtés ou contre l'Égypte quand il a joué devant. Et sa complémentarité, que ce soit à droite avec notre arrière-droit ou devant avec Okoui, a été de fait. Donc c'est une bonne surprise, c'est un coup de poker, mais de temps en temps, il faut savoir donner la chance à des joueurs qui sont très motivés pour défendre le maillot. L'équipe du Sénégal, moi je vous parle de ce que je... Voilà, des choses qui sont intéressantes. Après, forcément, toute équipe a forcément dans certains matchs des lacunes, comme ont pu avoir le Sénégal contre l'Algérie ou nous contre le Zimbabwe ou l'Égypte, ce qui est assez logique. Maintenant, si je vous parlais des lacunes de l'équipe, ça serait manquer de respect à cette équipe, et c'est ce que je veux pas, parce que je la respecte beaucoup. Maintenant, on sait ce qu'on a à faire, on sait quel plan on va mettre en place par rapport à certains manques qu'il pourrait éventuellement avoir. Et puis on va essayer de jouer notre chance, mais c'est certainement pas à moi d'évaluer cette équipe en public.